Hey Dylan, je te capte là, tu sais. Ouais. Mais non, c'est pas celui-là. Il y a un téléphone, voilà, on pourra aller lire sur un des mails de mail. Stéphane, tu peux retrouver ça. La question du financement, qui est un point très important, parce qu'il va falloir financer dans tous les cas, et qu'on parle du point cagnotte qui a déjà été fait, savoir où on en est. Et puis après, en question, enfin en sujet subsidiaire, enfin, maintenant, c'est vraiment travailler à notre appel. On a échangé avec Michel, tu pourras, voilà, à savoir si on a le temps de faire notre appel avant Saint-Nazaire ou pas, ou si on le fait plutôt après Saint-Nazaire, une fois qu'on a participé à tout ça et en fonction de ce qui se passe. Quoi. Après, il y a une possibilité aussi, c'est qu'il nous reste encore un mercredi avant Saint-Nazaire. Absolument. Après, voilà, ça peut être une possibilité pour pouvoir finaliser la chose. Absolument. Donc, si dès maintenant, on décide qu'on fait encore une réunion, une assemblée, mercredi suivant, on le décide maintenant et on le réécrit maintenant et on réserve une salle et on va chercher les clés cette nuit. Et on la garde. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut le décider maintenant, hein? Est-ce qu'on décide de faire une prochaine assemblée? C'est nécessaire. Bon, on va voir. D'accord. Donc, oui, tout le monde a priori, si on lève les mains. Forêt de oui. Ok, donc il faudra bien réserver la salle le plus tôt possible. Ok. Une assemblée générale intersyndicale, éducation nationale. On y était encore invité et là on a encore plus avancé. On était quatre. On a encore plus avancé puisqu'on a réussi. Tous ensemble, avec cette petite assemblée, avec des syndicalistes et d'autres, des enseignants non syndiqués, on a réussi à faire un appel, en fait, à faire en sorte que les syndicats fassent un appel pour manifester samedi, puisque ça, c'est prévu au niveau national. Donc, il y a des Auxerrois enseignants qui vont aller à Paris, d'autres à Dijon, mais, a priori, il va y avoir un appel pour manifester samedi avec les Gilets jaunes, tous ensemble, avec des mots d'ordre communs et notamment liberté de manifester, liberté d'expression, etc. Donc on a pas mal avancé là-dessus, on était plutôt bien contents parce que maintenant les gens et notamment le corps enseignant, etc. commencent à se dire qu'il serait temps que le mouvement se rassemble, quoi. Les mouvements se rassemblent. Et c'était pas gagné parce que la semaine dernière on n'en était pas là. Là il y a un appel qui est fait vraiment pour que les gens viennent. Enseignants et parents d'élèves, et ça c'est important, les enseignants vont diffuser auprès des parents d'élèves l'info comme quoi il y a manifestation samedi avec les Gilets jaunes. Et on leur a bien dit, ils ont bien compris que ce n'était pas une manifestation, comment on appelle ça, la manège, tour de manège. Nous, c'est pas ça, les manifestations Gilets jaunes, c'est pas ça, hein, c'est on va où on veut. Et ils étaient d'accord. Donc, et en plus, il y a une déléguée syndicale qui est montée sur le rond-point, puisqu'il y avait un journaliste du Parisien qui venait faire une interview. Et donc, une représentante syndicale, enseignante, donc, est venue aussi sur le rond-point et a parlé aux journalistes et a parlé de tout. Donc, c'est une belle avancée parce que c'était pas gagné quand même. Hein. On se disait on va finir, on va rester toujours tout seul. Et ben non, petit à petit ça avance. Donc c'est une bonne chose. Voilà. C'est pas ça la radio à 18h. C'est pas ça la radio? Oui, j'ai entendu la radio à 18h. Ici. D'accord. C'est France Bleu. De quoi il parlait? Exactement ce que je veux dire. Ah oui. Samedi, les enseignants. Et ben voilà, c'est passé à la radio. Donc c'est vrai, ça veut dire que suite à la réunion de ce matin, on leur a dit contactez France Bleu, faites ce soir, excellent. Ils l'ont fait. Ou c'est peut-être France Bleu. Ah oui, et le Parisien, ça paraîtra samedi. Vendredi soir sur le net et samedi en publication. Voilà.
Donc voilà, donc c'est comment la manif, voilà, bah, le rassemblement traditionnel, on va dire, à partir de 13h30, 14h, voilà, l'info sera passée. Moi, le premier, je serai là au Sarsambier. Voilà, et ceux qui restent à Auxerre, bah, l'idée, c'est de se rassembler, voilà, et justement, de faire un bon accueil, si jamais il y a d'autres personnes qui arrivent, des enseignants, des parents d'élèves, qui viendront sans doute peut-être pour la première fois. Il faudrait qu'on ait un tract à leur distribuer ou un truc. Donc. Alors eux feront leur appel de leur côté, voilà, et ils vont diffuser leur tract. Et nous on pourra appeler à la prochaine assemblée. Bien sûr. Cette fois, et c'est la première fois depuis que les Gilets jaunes marchent dans Paris, les flics ils n'étaient pas en contact. D'habitude, quand ils nous bloquent les accès, ils bloquent les rues sous le nez de la marche. Ce qui fait qu'on a sans arrêt les forces de police au contact, qui nous visent au LBD, c'est... Pour le coup, on est vraiment dans une situation tendue. Samedi dernier, grâce aux négociations ou à cause, en fonction de comment on se situe, bref, ceux qui déclarent les manifs sur Paris avaient demandé à ce que les forces de l'ordre ne soient pas au contact, et pour la première fois, l'ont respecté, on a marché dans Paris, et les actes qui étaient bloqués pour qu'on puisse marcher, les forces de l'ordre, elles étaient à 200-300 mètres de nous. On ne les avait pas au contact. On n'a jamais eu une marche aussi calme à Paris que ce week-end, malgré la mobilisation des forces de l'armée, malgré tout le barouf qu'ils ont fait. Sincèrement, ça ne s'est jamais passé aussi bien. Bravo. Mais c'est pour tout le monde. C'est le reste à vivre, le pouvoir d'achat. Le minimum vital pour le mois. Entre les frais d'habitation, c'est le reste à vivre. C'est d'où le salaire parental, après qui sera avec une allocation plus forte pour une personne. Soit seul, ou soit un homme ou une femme, soit tout seul. Parce que réellement, il y a quand même beaucoup plus de dépenses pour une personne seule avec un enfant qu'un couple avec un homme devant. Oui, il y a un souci aussi quand même, hein, parce que souvent le père ou la mère ne paie pas à l'autre. Après, voilà, on en revient aussi après aux pensions alimentaires. Alors comment on s'en sort là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive? Comment on le formule? Il y a l'idée du reste à vivre, il y a l'idée du salaire parental. Parce que la question, c'est une fois qu'un parent est isolé, il est mis en difficulté par rapport à un couple, etc. Il se retrouve d'un seul coup mis en difficulté, c'est ça la question. Donc comment? Parce que le salaire, il ne fait pas. Oui, voilà. Une intervention là. Non, mais c'est les allocations familiales. Oui, mais même. Ah, mais on a 4 enfants, et au fur et à mesure qu'ils ont grandi. Ah, bah oui. Donc c'est le reste à vivre. Et là, ils sont plus qu'un. Ah, ben, j'ai jamais rien vu. Ok. Donc, il y a Michel. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe, que vraiment tout ce qui est allocation, conversion, etc., soit attaché à la personne. Parce qu'on voit par exemple pour les gamins handicapés, les personnes handicapées, adultes aussi. Si elles sont en couple, on tient compte du conjoint et du coup l'allocation qui est à 850, ça diminue vachement. Donc ça veut dire que la personne est condamnée en plus à rester avec son conjoint pour pouvoir continuer à vivre. Donc il faut absolument que ce soit attaché à la personne et qu'on ne tienne pas compte du conjoint. Voilà, pour que ce soit comme ça. Ça embête. Par rapport aux parents isolés, oui, alors effectivement, avec un salaire normal, etc., il restera quand même que ce sera une personne seule pour s'occuper d'enfants. Donc elle aura des frais de garde supplémentaires par rapport à un couple. C'est dans ce sens-là qu'il faut peut-être penser à leur donner un petit peu de temps. Il y a les allocations familiales. Alors, oui, non, mais parce que je pense que toujours. On en est toujours au même point, c'est toujours le pognon. Il faudra des salaires décents et des allocations familiales qui puissent convenir à toutes les situations. Voilà. Ouais, okay. Alors, bon, je ne sais pas si on va évoquer le salaire. Donc, il y avait l'allocation familiale déjà. Les gens ont discuté, etc. Donc je ne sais pas si on peut évoquer le problème
salarié, quoi. Donc, salaire parental. Le terme était un peu tranchant. De toute façon, on va être obligé d'y arriver, c'est les allocations familiales dès le premier enfant. De toute façon, maintenant, il y a supprimé. Il y a des choses. Alors, salaire parental, mais pour la personne qui a les enfants, à préciser. Oui, parce qu'aujourd'hui, les allocations familiales sont versées à plus de fait qu'on fasse un an. Oui. C'est compliqué, mais alors, non, parce que il y a la réflexion qui dit que si dans tous les cas tous les salaires comme on le demande sont revalorisés, mais du coup ça solutionne pas quand même tous les problèmes, parce que un parent peut très bien se retrouver à un moment donné en difficulté sans emploi, du jour au lendemain il se retrouve tout seul et il n'y a rien qui est fait pour ça. C'est ça le problème. Après, la personne qui se retrouve toute seule, il y a toujours donc la garde des enfants, il y a toujours, donc, voilà. Il y a toujours à manger, il y a toujours les coûts. L'idée d'un salaire, c'est ça. Donc ce qu'il faut proposer, c'est l'idée d'un salaire en fonction de la personne, de chaque cas. Voilà, c'est de chaque cas. Le salaire, c'est au lieu de travail. C'est dans le langage. Oui. C'est l'allocation qui va être. Alors, on ne parle pas de salaire, parce que salaire, c'est travail. Okay. Revenu, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ne revient pas. Aurélien, il y a déjà un dispositif qui existe déjà, ça s'appelle les allocations familiales, sauf que les biaisés. Donc, du coup, ça pose un problème à tout le monde. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réforme, quand on pourra, pour faire un jour. Et c'est justement de réformer, comme à l'origine. À l'origine, les allocations familiales, donner une aide aux gens qui étaient en difficulté. Et suivant la situation de la personne, parce que les situations sont différentes pour tout le monde, ben justement, on doit avoir un apport de cette allocation en fonction du nombre d'enfants, l'âge qu'ils ont, qui est en rapport justement au coût de la vie, etc. Alors après, c'est une situation gérée avec tout ce qu'on demande. Si on arrive à avoir un salaire minimum, c'est-à-dire un SMIC à 1500, déjà ça va, imaginons, ça va t'aider. Ah, c'est pas le cas. Imagine que maintenant tu es 1500, ça va déjà t'aider. Imagine maintenant que tout ce que tu vas acheter va être détaxé, enfin les taxes vont être moins élevées sur un pouvoir d'achat supérieur, on est d'accord? Et bien après, derrière, c'est les allocations en fonction de ta situation, voilà. Est-ce que tu es seul ou en couple? Je suis en couple, voilà. Les allocations familiales, c'est le caractère universel de l'enfant. Oui. Il faut toujours essayer de ne pas tomber dans le panneau et essayer de garder le caractère universel de l'allocation familiale. Parce que ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de rendre dégressives les allocations familiales en fonction des revenus. Mais c'est vrai, en jouant sur la corde sensible, en disant c'est vrai que c'est pas normal que des gens qui gagnent beaucoup d'argent touchent les allocations familiales. La même, mais le piège, c'est que on va dire au début, on enlève l'allocation familiale aux familles très riches. Et puis 2-3 ans après, aux familles riches. Et puis 2-3 ans, aux familles un peu riches. Et puis 5 ans après, aux familles un peu pauvres. Et puis de 10 ans, il n'y a plus d'allocation familiale. Il faut essayer de garder la question du revenu parental. Ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se laisser leurrer par les discours qui, soi-disant, sont progressistes et en fait, ne le sont pas. Jusqu'à maintenant, les allocations familiales, c'était le fait d'avoir un enfant, quel que soit le revenu des parents. C'est le fait d'avoir des enfants. Mais la question du revenu parental, oui. Mais la question du revenu parental peut aussi rejoindre celle du revenu universel. Revenez sur la nationalisation, ils voulaient nationaliser Arjo Wiggins, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette usine qui est en grève depuis le mois de décembre, on a été un peu appelé à les rejoindre, c'est eux qui fabriquent le papier des cartes grises, ils en sont arrivés à brûler tous les rouleaux de papier, comme ils n'ont plus rien à brûler dans l'usine et qu'on les écoute toujours pas, ils en sont à bloquer leur gare, enfin... Et dans une idée de savoir-faire et de compétences, Arjo Wiggins,
c'est le seul papetier en France qui sait faire des papiers sécurisés de ce niveau-là. Et si on perd cette usine-là, on perd notre capacité d'autonomie quant à imprimer des papiers spécifiques. Et on va se retrouver comme le Venezuela à devoir faire imprimer le billet, je ne sais pas où. Simplement parce que les patrons n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les aides qui étaient liées à l'aide de tout le monde, de l'État, pour embaucher, et ils ont embauché. Bah comme, bah comme le CIC, l'autorisation de 15 millions d'emplois, c'est pas. C'est exactement. Parce que ça partait d'un bon sentiment, de baisser les heures pour avoir plus de temps libre, et puis que ça puisse faire embaucher des jeunes, enfin des gens qui ont besoin de travailler. Et le problème, c'est que de l'autre côté, quand on joue pas le jeu, c'est exactement ça. Parce que là, on demande un SMIC à 1500 euros pour 35 heures de travail par semaine. Oui. Si vous demandez 1500 euros pour le SMIC mensuel, si vous travaillez 20 heures, ça ne pourra pas le faire. Mais non, 30 heures. Non, 30 heures, il faut aller. Le mouvement social, les progressions, c'est toujours moins de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être exploité. Voilà. Nos grands-parents travaillaient 75 heures, on faisait bosser les gosses, on les fait bosser aujourd'hui dans certains pays du monde. Donc aller de l'avant, être plus progressiste finalement, c'est de se dire on veut mieux vivre et moins bosser et partager le travail. Parce que moi je trouve ça complètement délirant. On en arrive à bosser 45 heures ou 50 heures par semaine, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Il y a des gens qui sont au chômage. Voilà, ça me paraît quelque chose à creuser. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est qu'à partir des 35 heures, effectivement, tout est parti en déliquescence comme ça. Mais ce n'est pas à cause des 35 heures, c'est vraiment à cause de ce que vient de dire. Ouais. Le patronat n'a pas joué le jeu, n'a pas du tout joué le jeu. Parce que ce n'est pas les 35 heures qui peuvent créer du chômage, ça n'est pas possible, matériellement, ce n'est pas possible. Parce que normalement, vraiment, c'était fait et ça devrait fonctionner. C'est-à-dire que même sans demander moins de 35 heures, si on demande que tout le monde joue le jeu à 35 heures, enfin, qui est-ce qui a le pouvoir de créer de l'emploi? Qui a le pouvoir de créer de l'emploi? Ce sont les employeurs, les grands patrons. Point. Mais c'est le travail. C'est le travail. C'est... Quand on travaille 20 heures, 30 heures ou 35 heures, tant si les entreprises ne jouent pas le jeu, mais les entreprises n'embauchent pas. Il ne faut pas non plus... Et pour quelle cause qu'ils n'emploient pas? Parce que vous, pas de C et tout. Non. Les grandes entreprises n'embauchent pas parce qu'elles versent 60% de leurs revenus à des actionnaires. Tout l'argent, au lieu de partir dans l'investissement, dans les salaires, dans la recherche, etc., ça part chez des actionnaires qui sont à l'autre bout du monde, qui n'ont rien à foutre de ce qui se passe. C'est 60%, je crois, dans les grandes entreprises qui devraient embaucher c'est 60% qui partent en dividendes à des gens qui ne travaillent pas. Donc, imaginez un instant qu'on arrête de payer ces dividendes. Normalement, les dividendes, et ça a augmenté de, je ne sais plus, c'est combien le pourcentage? 44% en quelques années, les dividendes. Si on arrête de payer ces dividendes, on embauche. On embauche. Point. C'est simple. Une entreprise qui a 2000 salariés aujourd'hui, qui verse 60% de ce que les salariés, les ouvriers produisent, et c'est reversé à des actionnaires. On marche sur la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail qui rapporte de l'argent, c'est le capital. C'est le capital. Bien sûr. Donc il faut arrêter ce secteur. Et ce n'est pas parce qu'on dit, oui, on va créer des emplois, on en a parlé la dernière fois, avec des auto-entrepreneurs, etc. Ça ne change rien au problème. Ce n'est pas ça qui crée de l'emploi. Ça ne crée pas d'emploi. Ça crée de la précarité, ça crée de... Parce qu'il n'y a pas de cotisation, etc. Non, il faut que les grandes entreprises... Alors après, comme nous, on souhaite de plus en plus renationaliser, c'est sûr qu'une grande entreprise nationale, bah, si c'est 1000, 2000, 3000 dans des grands secteurs, la SNCF a licencié par dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Bah, évidemment, ils ferment des lignes. Donc, ouvrons des lignes, on va recréer des dizaines de milliers d'emplois. Hein.